D'accord, et la musique revient. Ouais, pour l'instant, on n'a pas spécialement de culture, donc c'est pas mal. On n'aura pas trop les bêtes dans les champs dans un premier temps. Et là, je voulais voir, parce qu'il me faudra un stockage souterrain. J'ai pas fait ça, stockage ici. Il me faudra... pas ça. J'avais pas le choix parce que je l'ai pas fait ici. Ça va devenir un peu important. J'ai un peu de la bouffe ici et j'ai pas de stockage. Le blé et le lin, ouais, enfin, on verra. Pour l'instant, j'ai le deuxième aussi à faire, donc. Par contre, il va me falloir du bois. J'ai pas de bois du tout. J'ai pas de pierre. Ah, il me faut de la pop, mais j'ai une maison en cours de construction. Mais il me faut du bois, donc pour l'instant, en fait, j'ai mal géré moi, ma gestion du bois carrément. Donc oui, il faut de la pop, on est d'accord. Après, il faut que je gère. Et après, par contre, ressources. Et ça, je peux pas. Entrepôt. Pourquoi j'ai pas l'entrepôt, stockage? Entrepôt. Ah mais si je lance l'entrepôt comme ça va être une galère sans nom ça cette histoire encore. Ouais, je dois quand même lancer l'entrepôt ici, je vais pas avoir le choix. Je vais jamais avoir assez de bois, mais voilà, hier je peux essayer de passer ça en priorité. Et déjà, si je peux avoir le stockage de bouffe ici, j'aurai de la nourriture qui se périra moins. J'aurai le fumoir juste à côté, ça sera pas mal. On va essayer de sauvegarder quelques points, quoi. Après, j'ai le souvenir qu'il ne faut pas trop que je mette les maisons non plus les unes sur les autres parce qu'après, j'ai besoin de mettre de quoi décorer pour que les gens soient contents de leur environnement. Donc, il faut que je fasse un peu attention à ça. Il manque pas mal de pierres. Les prédateurs vous attaquent. Où ça? Ah! Non mais attaque-le! Ah bah oui, un villageois est mort. Non mais en même temps... Au lieu de combattre, il fuit, c'est con! Par contre, ça veut dire que le cimetière va devoir être un peu obligatoire rapidement, quoi. On va peut-être pas mettre trop de construction maintenant, parce que... Enfin, à part des maisons, peut-être.
Ah, ils ont bientôt fini le deuxième champ. Ce qui me plaît pas mal. Donc j'aurai 6 gars qui vont être relâchés. Je pense que tu as fait la ferme trop tôt. C'est possible, Jackal, mais c'est pas grave. Bah j'aurais fait qu'un seul champ, ça aurait été bon, j'en ai fait deux, donc c'est ça qui m'a... Mais ouais, je suis d'accord. Mais on va s'en débrouiller, t'en fais pas. Y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et puis bah si on perd la partie, ça sera l'occasion de recommencer et de faire mieux. Pas très grave. Après, on a réussi à quand même avoir de la nourriture avec du poisson, de la viande. On n'a pas le fumoir, malheureusement, parce que ça, j'ai pas bien géré, mais il n'y en a pas le stockage non plus en souterrain. Mais je suis un peu bloqué par la pierre actuellement. Mais on va s'en sortir. Le villageois est mécontent. Oui, ce sont des choses qui arrivent, oui. On a une maison de plus, c'est déjà pas mal. Ça devrait attirer un peu plus de monde. Joli tir. Il manque vraiment deux pierres en fait. Ah, c'est bon, ils ont réussi à abattre quasiment les arbres. Il restera un arbre ici et j'aurai une maison de plus. En termes de bois à brûler, je suis pas mal. Oui, je sais, je suis au courant, t'en fais pas. Oui, mais le cimetière, il est en cours, vous permettez?
Sans blague, quoi. J'aurais la maladie qui va se mettre de partout, mais qu'est-ce que vous voulez? Nouveau villageois est né. Cool. Ce qui est bien, c'est que je suis pas en surpêche pour l'instant, donc ça c'est à peu près pas mal. On va laisser finir cette maison. Il devrait se mettre au cimetière. Il devrait finir aussi les quelques bâtiments qui sont en cours. On va espérer, on va prendre le temps. Après, ce qui sera pénible, c'est quand on va commencer à se faire attaquer. Mais ça, il faudra qu'on puisse fabriquer des flèches. On a où le production de ressources? Il y a facteur de flèches, je crois. Tannerie, cordonnerie, fabrique d'arc. Ouais, donc il nous faudra une fosse de sillage. On essaiera de la faire dès qu'on aura plus de bâtiments. J'étais pas un peu à court ici, si. Elle, elle fait plus. Je l'ai pas déplacé, et forcément. Je me suis pas mis bien là. Mais je suis étonné de pas avoir tant de bois que ça. Là, il y a tout le monde qui est là, mais qui courait ici, mais je comprends pas la raison. Ils sont pas venus chercher la pierre, rien. Ils sont tous en train de se balader. Ouais, je sais que vous voulez de l'or, etc. Il n'y a pas de souci. Mais on va déjà faire l'entrepôt et la fosse de sillage. Donc, ok, là, normalement, ils vont s'occuper du cimetière. La pierre a été mise en priorité sur certains points. Est-ce qu'on n'aurait pas meilleur compte à faire une maison de plus? Ouais, on est un peu léger en termes de nourriture. Après, est-ce qu'ils sont là-dedans? J'aimerais bien qu'ils me fassent le lieu de stockage là, mais. Ah, si, c'est bon. Donc on pourra avoir le cellier de ce côté-ci. Comment ça, plus rien à faire? Ce villageois est malade. Ah bah, dysenterie, qu'est-ce que tu veux?
Ok, ils sont en train de faire la pierre. Et on aura le lieu de stockage ici, parfait. On va pouvoir faire le fumoir aussi. Ça sera une bonne nouvelle. Ouais, d'un coup, on est tombé à 17 bûches. On est plutôt pas mal quand même, 17 bûches. La pierre, on est à 2 de pierre. Et on va voir le lieu de stockage. On arrive à l'hiver, on a quasiment pas de nourriture, mais... Normalement, la chasse continue, je crois, pendant la pendant cette période-là. Donc, on aura au moins la chasse. Villageois a été guéri, bonne nouvelle. Est-ce qu'elle continue de chasser pendant l'hiver? Elle a 61 de stockage de viande. Je comprends pas pourquoi elle me dit qu'il a pas de nourriture alors qu'on a... Est-ce que c'est de la nourriture chez les gens? Et qu'il faut forcément que je passe par le... par lui pour pouvoir faire quelque chose? C'est une bonne question. Bonsoir à toi, Maro, comment vas-tu? Ça va, ça va. Je galère dans ma partie, mais sinon ça va. Après, on est au milieu de l'hiver pour l'instant. Il est mécontent, il est mécontent, il est mécontent. On fait ce qu'on peut, monsieur. On a du poisson ici. Ok. D'accord, il produit 186 de poissons. Ah, c'est de la bonne galère. C'est bien. Ah, c'est bon, quand même les gens sortent et vont aller travailler. Donc là, ils vont aller s'occuper du cimetière. Ah, ça chasse quand même, donc ça c'est pas mal.
Après, il faudrait 49 de pierre. La pierre, ça serait important. Mais c'est bien. Là, j'ai des gens quand même qui sont à la pierre encore. Si on pouvait terminer lui et terminer lui. Lui, il a été amélioré, donc ça me va. Les herbes, il va falloir qu'on fasse quelque chose, ouais. Elle pêche quand même malgré l'hiver, d'accord, donc c'est bon à savoir. L'hiver n'empêche pas de pêcher. Ça fait plaisir à savoir, donc j'ai quand même un peu de bouffe. On est en 3. Au jour du temps passé, amis, au jour du temps passé, buvons ensemble à l'amitié au jour du temps passé. Oui, bah on peut, hein. On peut tout à fait boire à ces temps-là. Ce serait avec plaisir. On a de la sauge pour ouais, des plantes médicinales, c'est pas con ça. C'est pas si con que ça. Là ils sont en train de faire sauter les dernières les derniers arbres qui sont au milieu. On a toujours un cadavre qui traîne dans le village, mais bon, qu'est-ce qu'un cadavre? Franchement. Ah, il y a vraiment un champ de trop, quoi. Il nous faudrait un champ de moins, on serait pas si mal que ça, je pense. Logement, hop. Presque faire un deuxième truc par ici en partant hop là de cette extrémité là et en allant par là bas. Le cimetière, ils ont pas envie de le faire. J'ai pas envie de le mettre trop en priorité non plus, mais ça me... On va mettre ça en priorité.
Ah, j'ai 4 de pierre à aller chercher. À un moment, on peut peut-être faire ça, quoi. On a 3 mois de nourriture, c'est déjà pas mal. Les champs en soi, pour l'instant, on est en train de les nettoyer. Enlever les mauvaises herbes et tout. Ouais, il est quand même allé chercher pas mal de trucs, hein. J'ai l'impression que les routes, ils les font quand même en priorité par rapport au truc. Alors après, c'est bien parce que ça se déplace plus vite, mais ça m'aide pas sur les constructions que j'ai à faire autour. Le prédateur là qui se fait ma maison là, ça pose un problème à quelqu'un ou bon ben, le prédateur tranquillement, il s'est fait. Ok. Ah! On a un camp de pillard ici. Ah ouais, non, mais on a le. On a la totale en fait. Ok. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attaquer l'ours? Ok, bon, on sait qu'on n'est pas si bien que ça. On est entouré par deux camps de pillards pour notre plus grand déplaisir. Ah oui, bâtiment est en feu. Est-ce qu'on a des pompiers? Manicure, logement, stockage, service, infrastructure.
Loge de guérisseur, comptoir de commerce, école. Non, mais on a l'ensemble, j'aime bien. Ça vous dirait d'éteindre les feux ou. Ah ouais, non, mais là j'ai l'ensemble, là, je crois. Au moins, la viande qui était là, elle est en train de cuire, quoi. Oh putain. Oh non mais... T'as fait conneries, vol en escadrille, elle vole en escadrille, quoi. Et la chaleur entraîne des pertes sur les cultures. Ah bah oui, non mais tout va bien. J'ai... C'est mon plaisir, là. C'est un plaisir, là. Bonjour, je voudrais des galères, s'il vous plaît. Merci. Aucun stock de nourriture. Oui, ben, en même temps, vous permettez. J'ai eu un petit souci de type la chasse, ça fonctionne pas, quoi. Donc, la pêche non plus. Je me fais attaquer dans tous les sens et c'est un ours qui vient me piquer de la bouffe. Alors, ah, par contre, toi, peut-être que tu vas pouvoir bosser par ici. Oui, je sais qu'on a besoin d'un cimetière, je suis au courant. Une deuxième cabane de pêcheurs peut-être. J'ai des gens par ici. Apparemment. Je sais pas comment on répare les bâtiments. Je sais pas du tout comment ils se réparent les bâtiments. Si ça se répare avec le temps ou viande poisson. Et elle, pourquoi ça va pas? Elle n'a pas d'accès à l'eau. Mais est-ce qu'il faut que je fasse un deuxième puits dans ces cas-là?
Je vais peut-être faire un puits. Ah oui. Et il me faut tous les incendies du monde. Non mais c'est bon maintenant le jeu, j'ai compris. Ils sont pas contents, ils foutent tous le feu à leur baraque quoi. Il y a un moment, je veux bien faire des efforts, mais arrêtez de foutre le feu chez vous, s'il vous plaît. Ça va se voir à un moment. Comment ils peuvent réparer les baraques, par contre? Je sais pas du tout. Est-ce qu'il faut des planches? Je sais pas. Après, il me manque 1, 2, 3, 4. Il manque de la pierre, mais. Toc-toc, toi. Site d'excavation. Des ruines témoignant de l'existence d'un peuple oublié. Une fois qu'un temple est construit, on peut y faire l'objet d'une excavation pour y découvrir des reliques et autres richesses du passé. D'accord, mais on a ce camp-là là, qui nous embêterait. Il va falloir qu'on se fasse un groupe de soldats pour aller là-bas un moment, quoi. Et pourquoi le puits est presque asséché? Oui, bah. Arrêtez le nounours là! C'est bon maintenant! Ah, on a perdu du monde, ouais. Bon, on s'en sort, c'est la galère, mais on s'en sort doucement mais sûrement. On pourrait faire un truc par ici pour pouvoir chercher aussi. Ouais, mais on va pas trop construire non plus. C'est ça le problème, c'est que je peux pas me permettre de trop construire non plus. Après, j'ai la place pour 10, pour 8 personnes supplémentaires, donc. Pourquoi je peux pas les réparer? Qu'est-ce qu'il me faut pour réparer? Programmer le bâtiment pour des réparations immédiates. Intégrité structurelle 86%. Je sais pas ce qu'il faut pour réparer.
Pour l'instant, toute ma nourriture est par là-bas dedans, hein, c'est ça? J'ai des champignons, j'ai des herbes. Le fumoir a fumé le poisson, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Donc ça fonctionne, ça commence à donner un peu de rendement. J'aimerais bien que lui au moins on lui mette une pierre dedans. Et lui, on a quasiment retiré tout ce qui était bois et qui allait pas. Ok, les prédateurs nous attaquent. Les prédateurs nous attaquent. Qu'est-ce qui nous attaque? On se fait attaquer par des sangliers, d'accord. Ils sont allés repérer les lieux là-bas, ok. Maintenant, il nous faut de la pierre. Là, ils construisent, je veux bien, mais il faut de la pierre pour ça, en fait. Là, j'ai quoi? J'ai 24 de bois ici. Ah, le bois est... On est bon maintenant, le bois, mais... Nourriture perdue par péremption, 40 B. Ah, ça pique, ça. 40 B perdu, ça pique un peu, quand même, hein. Je vois pas trop ce qu'il fait à taper là nulle part et c'est ouais. J'ai les gars qui tapaient, c'est bien, mais j'aimerais qu'ils aillent chercher la pierre, etc. On arrive à avoir 3 mois de nourriture qui peut se conserver. Donc là, la viande fumée, du poisson fumé. Donc ça, déjà, on est pas si mal que ça de ce côté-là. On arrive à avoir des ressources qui se stockent. On va avoir... Ça, c'est bon. Là-bas, on n'a pas ce qu'il faut en pierre, mais ok.
Peut-être que lui, si on peut le passer en priorité pour histoire qu'il se termine. Ok, donc j'ai deux puits, ça c'est bon. Ouais, on va essayer de faire quelque chose contre la... On a 3 mois de nourriture et on a les 3 mois d'hiver, donc ça... Normalement, on devrait pouvoir tenir quelque chose, quoi. On va essayer d'y croire. Là, je suis en train de préparer. Je vais encore faire un truc de maison ici. Et après, on va commencer à mettre en place au moins une tour de garde. Pour pouvoir essayer d'abattre les... Est-ce que quoi? Ok, bon bah ça, de toute façon, le stockage est plein. On est pas mal. On va pouvoir commencer à envisager... tac, production. La fosse de sillage. Je pense qu'on peut se permettre de la faire. Et comme ça, on va commencer à pouvoir avoir des planches. Ok, on a mis 3 pierres pour le cimetière. C'est déjà pas mal. C'est pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. En espérant que le stockage ici se fasse. Niveau terrain rocheux, etc. Ok. Enfin, peut-être que j'enlève des trucs ici. Et là, pareil, que je fasse le ménage. Il y a moins de roches. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est... Retirer les roches présentes. Peut-être pas tant besoin. Parce que ça régénère le sol, je crois. Devoir vérifier les cultures aussi. J'espère qu'on se passe si mal. Ok, ça retire de la pierre, ça c'est bien. Et de toute façon, après, il va me falloir un fabricant de flèches. Ça va être impératif parce que sinon, mon chasseur va pas être si efficace que ça. Et après, on n'a pas de zone de chasse par ici. Par contre, on a une zone de pêche et on aurait de la culture, enfin, de ramasser de la nourriture. Donc, on pourra peut-être se faire quelque chose par ici. Même si on aura aussi peut-être des emplacements pour des champs par là. Donc, ça pourrait être pas mal. Ah, et ils vont finir ça normalement. Donc s'il me termine celui-là, j'aurai que de la pierre ensuite à les récupérer pour le cimetière. Là tu fais quoi? Tu poses la pierre? Non, tu vas chercher du bois. Ça, il n'y a plus que le bois à amener ici. Puis on a la fosse de sillage, ça sera pas mal. Ok, il y a tout le monde qui court un peu de partout, mais c'est pas très grave. On a toujours 3 mois de nourriture, donc c'est parfait. Je suis assez content pour l'instant. Là, je crois qu'on passe à l'année 2. Ok, et là on a le stockage, parfait. Donc on va pouvoir stocker le poisson directement là-dedans. On l'emmènera au fumage là-bas.
Maintenant, il reste plus qu'à ramasser la pierre pour pouvoir vraiment envisager. Ok, j'en ai deux à la pierre. Si on peut finir le cimetière, ça serait parfait. C'est en train de faire la fosse de sillage. C'est très bien. Ok, bon, bah là, les 25 bois, on va pouvoir les emmener. Ça, c'est bon. Il nous manque une... ouais, 39 de pierre. Ça commence à faire du monde, quand même. On a de l'argile, on a de la... on va faire de la brique, mais pas tout de suite. Je vais essayer de protéger au moins ce coin-là, dans la mesure du possible, avec... 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Là. Et je vais essayer de faire défense. Une tour de guet. Ici. Qu'on ait une défense sur ce croisement. Parce que je vous avoue que je suis moyen serein là. Est-ce que tu peux me prendre la sauge avec? Genre... comme ça. Histoire qu'on récupère de quoi d'avoir de la médecine. Ok, donc on va commencer à avoir des planches. Ça, ça peut stocker des flèches ou pas? Facteur d'arc, est-ce qu'on a production de nom de ressources? Facteur d'arc. On va le mettre là. Et on va caler une, un logement. Ok, on a 35 de pierre qui vient d'être posée, c'est parfait. Et le, ouais, la ressource, on va en chercher, donc c'est bien. Ça, c'est pas trop mal. Et est-ce qu'on peut réparer maintenant qu'on a ça? Non. Pour ça, bonus d'attrait, il faudrait du 30%, et il faudrait 5 planches de bois. Ouais, mais les planches de bois, elles vont attendre un petit peu, hein. Parce que normalement, avec ça, service et infrastructure, on devrait pouvoir construire le marché. Et le marché, il va nous le falloir là. Et j'avoue que si je le faisais ici, ouais, non, bah non. Un nouveau-né, ouais, bah c'est cool. Revenu 8, mais 50 planches et 15 de bois, ouais mais non. Il y a quoi comme mise à jour? Ben, alors déjà en mise à jour, on a l'apparition des camps de bandits, qu'il va falloir nettoyer. Les incendies de maison, qui piquent un petit peu, je dois avouer. Euh,
Pour l'instant, c'est ce qu'on a expérimenté. Après, ça, ça n'a pas aimé du tout le principe. Après, j'ai pas tout, j'ai pas suivi du tout le Dev Diary, donc je peux pas te dire ce qu'il y a de véritablement nouveau, mais. Donc il va falloir qu'on s'équipe pour aller chasser du truand, on va dire ça comme ça. Mais tu vois, apparemment il y a la possibilité de faire des réparations de bâtiments, il y a des choses à faire, mais je t'avoue que j'ai pas tout regardé ce qu'il y avait à faire. Est-ce qu'on peut mettre un bâtiment en pause? Construction active, d'accord, ouais, on peut la mettre en pause si on veut. Je vais mettre cette construction en pause pour l'instant, parce que j'ai besoin de la pierre pour ici. On va essayer de garder la pierre là où je peux. Ok, là c'est ramassé. On a la possibilité d'accueillir 11 personnes, donc sur l'idée, on n'est pas si. On a 8 planches. Ah, il faut vraiment de la pierre en fait. Hein. Le truc, c'est que je crois que ça, il faut que je le... Il faut peut-être un moulin. Production de nourriture. Non, fumoir. Moulin. Non, ça sort. Qu'est-ce qui nécessite le blé noir? Ouais, chasser les truands et les manger, ouais, ça peut être une solution, hein, à peu près. L'aire de compostage. Par contre, l'aire de compostage, j'avoue que ça me vend un peu de rêve, ça. Comme c'est là où c'est là-bas, ça me plaît pas du tout. Parce que là, ça va pourrir mon truc. Par contre, c'est la pierre, je suis vraiment en galère de pierre, quoi.